Salut Johan, ça va? Ça va et toi? On a quelques minutes de ton combat avec Polo, ceinture marron. Comment tu te sens? Franchement ça va. J'ai confiance en mon niveau. Je me suis beaucoup entraîné. Ouais. Et pourquoi tu fumes la ceinture? Comment tu penses que ça va se finir comment? Honnêtement, je pense que je peux aller jusqu'au bout. Ouais. J'arrive à bien rester teigne jusqu'au bout. Et, tu penses que tu peux gagner ce combat ou pas? Coupé. Salut Polo, comment tu vas? Impeccable, mon frère. Ça va? On est à quelques minutes de ton match, ton super fight contre Yuan. Bon, on va pas se mentir, c'est plutôt lui le challenger. C'est le challenger. Qu'est-ce que tu penses de ce combat? Est-ce que tu penses que c'est une bonne pub pour toi? Je me suis préparé fort. Ouais. Heineken, Marlboro, je passe. Tu t'es couché à quelle heure là? 3 du mat. 3 du mat. C'est pour lui donner une chance de... Tu penses que ça va se passer comment? Je pense que ça va être un beau combat et c'est une tough black belt. Tough white belt. On va prendre ça. Est-ce qu'il va y avoir de la soumission ou pas? Ah. Combien de soumissions tu penses? Je sais pas, on arrête à une soumission ou je continue? On peut... Tu peux continuer. Je pense. 2-3, je pense. 2-3, ça va. 4-4. Peut-être 2-2. 2x2. 2x2, 4. Okay. Merci Polo. Bonne chance. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis avec les loulous. On va commenter le combat, le super fight entre Yuan et Polo. Combat incroyable. Moins de 90 kilos, 85 même. 81. On peut dire ça. Moins de 81. 80, moins de 81. Aïe, aïe. On est parti les gars, on lance. Allez, on va voir comment ça se passe. On va laisser comme ça, on est bien. On enlève ça. Allez, direct takedown de Polo. Impossible que ça marche. Il va faire tomber Yuan avec ses poteaux à la place des jambes. La machine. Et tout de suite, un tir inversement de ceinture blanche. Hein. Je prends l'avantage. Deux points. Ça remonte pour calmer le 2-2. On est d'accord, le match est serré. On sent qu'il y a l'intensité là. Ça tourne. Assez simple, j'ai l'impression. Je l'appelle. Ce stage, il l'a fait, a priori, du coup. On voit la grosse technique sur le passage, tu t'es juste écrasé sur lui. Il t'a sauté. Incroyable, il a essayé de contrôler l'animal. T'as 2 là. En soi, pour moi, il n'a pas contrôlé encore. J'attrape une demi-garde. Attrape les jambes. On sent le grappleur là, il tente de suite la tête guillotine. Et tu vas relâcher. Je remonte. J'allais sur un neck crank, j'avais pas pitié peut-être. Par pitié, beaucoup de pitié. Il remonte triomphe. Sa tentative. Là, il prend un tas d'avantages. Mais pas de points. Et là, s'il lâche, c'est 2 points pour toi. La Polo est pas bien là. Là, il est dans le mal, Polo. Il ne peut plus, il souffle. Qu'est-ce qui se passe, Polo? Oh là là, il est sorti. Fatigue mentale, fatigue physique. J'écrase. Je passe par derrière. Plus 3. Je prends. Il y a un avantage. C'est lui qui décide. Allez, on sent qu'il y a. Vous avez mis de l'énergie, les gars. Ça se sent dessus. Polo, t'es déjà mort. T'es déjà mort. Là, je le laisse un peu travailler. Moi, je compte. Avantage. Allez, vas-y, lève-toi. Regarde, il a peur. La provocation. Il voulait pas, il avait peur. Il avait peur de ma lutte. La main du juge. Lève-toi. Pourquoi? Ça va partir. Take down. Je me dis, il me demande de m'aider. Oh! Et ça tire. Un peu plus. C'est bien voltant. C'est son cabri, non? Allez, tu vois. C'est la X-Men, non? Et là, encore une fois, t'es passé. Ouais. Et là, oulala, on sent par contre qu'il a plus la même. Il a plus la même gauche. Il a plus 2 pour le nord-sud ou pas? Ça a commencé à faire payer là, ouais. Ouais, il va faire. Plus 2 ou pas pour le nord-sud? Non, c'est passage. Pas sur un passage, je crois. Okay. Là, je vais isoler le bras là. Hein. En attrapant les jambes. Regarde ce qu'il fait. Bonne force, quand il tend ses jambes comme ça, il ne laisse pas. Il isole le bras en attrapant les jambes? Là, on peut voir le gros plan. Ça se voit que j'étais sûr. Franchement, tout était sous contrôle. Ça ponte. Ça tente. Il isole. Il n'y a plus qu'un bras là. Ça y est, là on est sur le bras. Regarde la main droite sur les fesses. Est-ce qu'on remet pas le. Ah oui. Tiens ralenti pour les fesses. Ouais. Superbe. On pourrait mettre un petit bruitage. Hein. Superbe. Hein, on va voir ce qu'on peut faire en montage. Allez, ça va repartir. Ça regarde le chrono, c'est désespéré. Ah, il veut plus se lever là. Si, ça se relève. Hop, tirage.
Tirage plage. Là, je baille un peu, je me dis bon. Il y a de la fatigue. Ça part un peu à droite, gauche. Il y a des bons Toréando là, le petit Johan. Ouais, ouais, ouais. Il est très franchement, bon. Il est très très fort. Et en plus, il va montrer ça du coup à sa famille. Et pour vous, je vous aime. C'est l'une des plus fortes Black Belt du club. On peut Black dire. Belt, merci. Black Belt, carrément, tu peux dire. White Belt, White Belt. Je vais comprendre. Où ça part sur la Chine. Il y a un problème. J'ai pas vu taper. Ah, franchement. Alors on va peut-être remettre. Ouais. Le grand classique, c'est le genou qui fait bloc. Hein. C'est ouais, ça. Voilà. Donc c'est la tu renverses, ton... tu l'aimes bien celui-là. Spécial, ouais. Ouais, bah, il y a même pas eu le temps de. T'as fait quoi en bloc? Ouais, j'ai fait comme ça. Classique, ok. Classique. Franchement, j'ai entendu la cheville craquer. J'ai pas voulu forcer. Vas-y, je tape. Oh, ça provoque. Lève-toi, tout ça pour. Le tirage-plage. On s'allonge, on met les mains derrière la tête. On sent que là t'es à bout, là, Polo. Ça là, tu payes la bière de hier soir. Ouais, mais on sent les belles postures. Voilà, on écrase. Et on passe, c'est tout basique. Ouf. Oh là là, arm drag et tout. Et encore, il est pas vraiment réussi sur un drag, mais... Alors, franchement, ça passe. Hein. Je tombe dedans comme un novice. On récupère le bras, on tire, on remonte. Basique, plus 2. Plus 2. Et là, où Vardinsky là. Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, j'essaie de faire quelque chose en papillon à mon idole, mais j'ai pas réussi. Ouais, je sais. Ou de nouveau la cheville encore. Heureusement pour lui. Ça a sonné. Non, pas encore. Tu remontes. Plus 2. Non, pas plus 2 parce que t'étais déjà passé. Ça va vite, hein, franchement. Et là. Épuisé. La même Polo, il se dit bon, on va attendre la fin du chrono. Je mets bien mon poids. Putain, bravo les gars, franchement, beau combat. Bravo, Johan. Ça va, d'animosité, c'est trop joli. Bravo les gars, magnifique. Merci à tous pour la petite vidéo. On se retrouve bientôt. Peut-être on pourrait provoquer un autre duel avec. J'ai la ceinture, celui qui veut me défier. Adrien, je sais pas. On peut faire quelque chose là. Voilà. Je couperai sur ça. Ça va Polo, on est après le combat, t'as pas l'air très bien. Il est dur. C'était une canne. Il est solide. Très très difficile à débouchonner. T'as l'air serein, Johan. On a les gars, prendre une putain de place, t'as l'air.